Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Doom 2016, toujours en mode ultra-violence. Nous sommes à la partie 23 des vidéos, il va y avoir du combat compliqué. Donc, pour toi qui es nouveau avant toute chose, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications si la chaîne te plaît bien sûr. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là. À la One Again Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs, yes les loulous et yes Birdie. Vous avez raison, allez go, come on. Là, je suis déjà à 2000% concentré. L'épisode précédent, c'était un fiasco. Très compliqué, très compliqué. Allez, on y va. Bon, là pour moi ça va bien, pour moi ça passe bien les amis. Pour moi on est bien, 100% focus concentre. Donc j'ai un peu peur parce que ça fait des moments que j'ai pas pris la manette avec ce jeu. Ah ouais, bien sûr. C'est normal. Ce qui est compliqué, c'est que mon perso court pas. Or là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc ce que j'avais oublié la dernière fois, c'était cette arme en fait. Mais Nike, pourquoi tu grattes? Parce que c'est compliqué. Donc. Waouh. Distress, Nine, distress, y'a point S. Ouais, je sais bien. On va récupérer déjà, donc on va bien voir les amis. Thank you.
que j'aille dans... C'est où qu'il faut que j'aille, putain. Voilà. Ah ouais, j'avais oublié. Oh. Fais gaffe, on fait gaffe. On l'a eu ? On l'a eu. On en a eu un, hein. Il y en a pas qu'un, il y en a pas qu'un, les poteaux. Voilà. Ça, ça fait très très mal. Hein. Excusez-moi les amis, hein. Puis vous comprenez la difficulté. Ok. Voilà, super. On va... De toute façon, après, on fait le tour, on regarde si on a des balles, hein, les amis. Thank you.
Sinon, on va le faire comme ça, les poteaux. Waouh! Il a failli m'avoir, hein, il a failli m'avoir. On le fait au gun, hein, on le fait au gun, les amis. Ah non, j'ai plus de balles sinon. On le touche, hein, on le touche, les poteaux. On l'a eu. Attention, démoniaque terminée. On l'a eu. Fin du verrouillage. Ce qu'il y a, c'est pas fini. Il me reste 2 balles de ça, donc ce qui est assez sympa, on va dire. En espérant que je puisse avoir les 2 gros en bas du premier coup, ça serait bien, ça serait bien. Ils font vraiment très mal. J'aurais tellement aimé avoir une 3e balle en fait. 3e une pour cette arme de folie. Que j'avais oublié dans l'épisode précédent en fait. C'est une terrible erreur de ma part dans ce mode. Mais vu que c'est la première fois que je fais Doom. Eh bien voilà, voilà. On ne gère pas assez les armes. La vie, non, pas de bras, pas de chocolat, pas de vie non plus. Que 3 d'armure. Ouais, bon. Ce qu'on va faire, attendez, avant de commencer, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer un truc? Là, ça demande quoi ça? Rien du tout. Allez, bon. Pas grave, de toute façon, on oublie d'y aller, poteau, hein, j'ai peur. Attention, arrivée de l'ascenseur de service, Lazarus. Présence démoniaque à des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Je les ai eu, les poteaux. Intrusion démoniaque terminée. Je les ai eu, les amis. Birdie. Premier try, alors que j'avais galéré l'épisode précédent. Eh ouais, j'avais pas mon arme. J'avais pas l'arme, j'avais pas, les amis. Putain, premier try, les poteaux. Premier try. Oh my god, quoi. On va se reprendre le gun. Ah j'en ai. Putain, je pensais que j'allais galérer les amis. Allez. Mais c'est pas encore fini. À mon avis, c'est pas encore fini. C'est pas ce qui m'attend. Ah si, on a fini la mission. Des lendemains qui chantent. On a fini la mission les poteaux. Waouh. Satisfaction si tu nous tiens, je vous le dis. Waouh. Yes les poteaux, yes. Waouh, c'est passé comme une lettre à la poste là.
Ouais, je me suis bien reposé. J'étais trop dedans, trop. Alors que j'avais oublié cette arme de malheur. J'avais oublié cette arme. Putain. Moi, je me suis rajouté de la difficulté en fait, quoi. Vous trouverez l'hélice de pierre dans le labo privé d'Olivia, au cœur de ce complexe. Peu l'ont déjà vu. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous pourriez voir quelque chose qui nous échappe. Oh là là, fermez le portail, il y a encore plein d'ennemis là. Plein d'ennemis là, Hippoto. Waouh. Je veux repartir en arrière, les amis. Hey, commentez, likez, abonne-toi et sinon tu parles ma main. Franchement, le combat il était pour vous. J'ai trouvé, voilà, ce que j'avais pas fait, une erreur. Il n'est pas entré en notre possession par erreur. Les démons avaient annoncé son retour dans leur prophétie. Il s'est éveillé. Il pourrait compromettre la mission du personnel d'Azarus. Un forum se tiendra au sujet de la décision d'armer les démons et chaque question y trouvera sa réponse. Présentez-vous à la chapelle à 14h00. Sauvegardez bien votre travail avant. Ok, mais attends, d'abord je vais regarder la grenade siphon. Ce que c'est. J'ai rien regardé sur les armes, j'ai tout fait à la One Again Beast to Fly. Ouais. Grenade siphon. La grenade siphon fut conçue pour l'armure Praetor de Marine Doom, combinée au récepteur agent situé dans les gants et la poitrine. L'action se déroule en trois phases. Une fois activée, la grenade libère un champ de particules chargé positivement qui englobe l'arme et la main de l'utilisateur. Dans un deuxième temps, lorsqu'elle est lancée et qu'elle explose, elle libère un champ de particules chargé négativement sur plusieurs mètres. Ces particules attirent le plasma, argent des démons présents à proximité, l'arrachant ainsi à leurs cellules. C'est top ça! Enfin, l'armure Praetor, chargée positivement, attire le nuage argent négatif et absorbe le plasma. Bien, c'est ça. Alors, ça c'est de la grenade, les poteaux. Ça, c'est de la grenade, les amis. Oh putain. J'ai pas envie. Oh putain! Bisous! Oh là là! Eh oh! Vous êtes fou quoi. Oh putain. J'ai pas eu le temps de faire mon glory kill, les amis. Gloire à kill. Putain. Puis waouh les amis, franchement, je suis tellement. Toi, oh, il t'en faut combien là? Alors là, bien sûr, j'en ai plus. Eh ouais, c'est une arme de folie, mais par contre, les balles, elles sont pas ouf. Hein. T'en trouves pas à tous les coins de maison? Non, non. Ça serait. Putain, je flippe les photos, je flippe. C'est pas ce qui m'attend.
secret trouvé, c'est top. Oh, de la vie. Donc à mon avis, lui, il faut le tirer, on va le tirer quand même là. Avant de continuer par ici. Allez. Oh merde! Eux ils font mal avec ces boules de feu là, franchement. Et vous voyez les amis, franchement, le fait d'avoir arrêté un petit moment, eh bien voilà, je reviens plus sereinement. Ouais, désolé, je fais comme ça. Que vous voulez. Présent une menace de l'autorité. Verrouillage actif. Oh, oh, Spada. Calme, calme, ça va bien se passer. Je réfléchis, hein, les amis, je réfléchis. Dans ce mode d'utilisation des armes. Très très importante. Oh là là, c'est quoi la boule? Si je me trompe pas, c'est un berserker ça là-bas. Il est où? Il est où? Il est où? J'en entends, ah ouais, non, mais c'est là en bas, ok. Putain, ça va être chaud, les amis. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Il est où mon truc à prendre? Il est au milieu? Là les amis. Je
Oh les poteaux. Les amis, c'est show time. C'est chaud patate. Je cours. On se laisse pas déconcentrer. Surtout pas. On a réussi, les amis, yes. Putain, Knight est plein bras. Knight est bras de Pitt. J'ai le bras de Pitt, hein. Je vous le dis. Elle croyait que c'était terminé. Oh là là. Birdie. Knight a le bras de Pitt aujourd'hui. J'enchaîne. Hey, commentez, like. Hey, avant-toi, les combats ils sont pour vous. C'est pas où on est de la fin, mais on est en mode ultra-violence, ça c'est clair. Le trophée tombera. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des modes, qui disent qu'ils font les modes et que finalement à la sortie, ils sont normal ou en facile. On en a vu beaucoup sur YouTube, hein. Moi le premier, j'en ai vu pas mal. Mais ça ne sera jamais mon cas, les amis. Donc, pour vous qui aimez les modes compliqués, qui aimez me voir souffrir, parce que je suis vraiment dans une souffrance extrême, suivant les passages. Allez, on avance. C'est par où qu'il faut avancer déjà? Là-bas? Je sais plus. Cherchons volontaires pour le nouveau et captivant programme UAC de recherche des revenants. Développez votre potentiel, découvrez de nouveaux horizons et dépassez les limites de votre mortalité. Veuillez contacter Jessica des ressources humaines pour postuler. Et on fait comment pour aller là-haut? On peut pas aller là-haut? Oh, si, là, ok. Le programme revenant est... Olivia a activé l'onde infernale depuis ce complexe. J'espérais qu'elle parviendrait à se soustraire à leur influence. Les filles, ça va. Mais je me suis trompé. Elle était plus faible que je ne croyais. Bon, je peux améliorer une arme, donc. Passe gourée, c'est laquelle que j'utilise le plus. Tir explosif, de toute façon ceux-là ils sont améliorés déjà. Tourelle mobile, ah. Eh non, tourelle mobile. En maintenant à 2, le module d'arme transforme les canons en tourelle mobile. La dernière se bloque en cas de surchauffe. Putain, c'est pas trop. Le module d'arme lance un projectile électrique qui paralyse l'ennemi à portée. Module à plasma. En appuyant L2, le module de l'arme permet de changer un rayon pénétrant des cibles. Il est impossible de pousser avec le module à plasma. Ouais, mais bon, non. Et lui, c'est lequel, lui? Verrouiller les cibles. Tir qui libère rapidement une salve de 3 roquettes. C'est laquelle, cette arme, déjà? Putain, je sais plus. Et lui, ogive améliorée. Ah ouais, ok. Le module d'arme fait exploser les roquettes en vol. Je sais pas, on prend celui-là. Allez. On prend celui-là, j'utilise beaucoup celui-là. Je l'utilise beaucoup, hein, les poteaux.
Ah ben non, mais je me suis trompé. C'est pas grave. De toute façon, je suis gouré d'armes. Mais bon, il est important. Celui-là est important aussi. Allez, on oublie qu'on n'a aucune chance. En France, on n'a pas peur. C'est pas comme si j'avais peur, les poteaux. Un petit peu. Je sais pas où je dois aller, là-haut. Pas peur, hein. C'est pas comme si j'étais seul, hein. Et non. Donc, putain. Ah, je flippe, hein. Je flippe, je vous dis que ça. Eh ouais. Pour cause. Ah, c'est pas celle-là, putain. Ah, Nike, tu fais n'aime quoi. Waouh, un gros dans un petit espace comme ça, c'est inhumain quoi en fait. C'est inhumain les poteaux, franchement, vous voulez que je me mette où? Oh là là, c'est terrible, ce jeu est terrible, la difficulté elle est horrible les amis. Elle est horrible. Il n'y a pas grand chose, pas beaucoup d'armure, il n'y a rien. Ah, munitions faibles en plus. Ah, je peux pas utiliser ça. On va prendre lui. On repart. Ah là 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 là, c'est pas quoi prendre comme arme. Ça va, celle-là, royale les poteaux, royale. Royale. Un point de contrôle. Voilà, ça tombe. Au bazooka, c'est pas grave. On n'a pas peur, on est des rappeurs, on récupère des munes. Bon, là, c'est de là d'où je viens. Il n'y avait pas de munes, là, par hasard? Non. Non, il n'y avait rien. Allez. On prend le canon qui est double coup. Du monde en bas, hein. Il y a du monde au balcon là. Allez, on récupère tout ça, on est bien là. On est bien, on n'a pas peur. Pas des trucs à prendre là. Oh pauvre homme, regardez-moi ça un peu. Oh mon dieu, c'est terrible. La life, parce que la life c'est l'espoir.
Pas de live, pas de chocolat, pas de chocolat, pas de bras. Bon. Ok, donc faudra descendre là, on fait le tour, y a rien. Waouh, les poteaux, ça c'est dit, ça c'est fait. Eh bien, vous savez quoi, les amis? La suite, on le fera au prochain épisode. On fait des petits épisodes parce que c'est compliqué. Ça prend beaucoup sur la concentration. Et j'ai vraiment envie de passer, voilà. Le premier try, si on peut, bien sûr. Eh bien, les poteaux, comme je vous ai dit, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Voilà, il y a eu de l'avancée, c'est super, franchement, je pensais pas que ça allait avancer comme ça. Mais c'est grâce à vous, je sais que vous me regardez et que vous me soutenez, voilà, dans des modes vraiment compliqués. Donc pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner et activer la cloche de notification sur la chaîne YouTube, bien sûr, afin de ne rien rater des futures sorties. Pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, je le dirai jamais assez. On se dit bye bye, reste cool bébé, sinon tu parles à ma main. Et merci, je vous aime à tous, les loulous, allez. Cette image étrange. A strange picture.